Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 15. Je mets calcul, j'arrive à compter sur. Je compte sur mes doigts. Hein. C'est un peu compliqué, il faut que j'ajoute 2. D'Assassin's Creed 2, il est 13h56. On est toujours le 17 février. C'est ça, le 17 février? Oui, 2015. Je vais encore me foirer. Non! On passe. Voilà! L'épisode de la. Où j'ai merdé la fin, quelle magie. Voilà, regardez, j'ai fait une petite pause, tout va bien. Une petite pause de 2 minutes, hein. Pas une grosse pause. On entend un coffre, on est d'accord. Ah là, là-haut. Ah bah c'était pas un con, c'était ça. Ça m'embête un peu du coup. Ah bah si, il y a des coffres. Ouais, c'est super. Je suis certain d'avoir entendu du bruit. C'est le moment de mériter vos florins. Vous, allez jeter un œil sur le parvis. Et vous, suivez-moi dans la chapelle. Si, capitano. Pendant ce temps, on va explorer ce passage secret. Et Lorenzo. Alors qu'il est, il doit être mort. Lorenzo, non, il est pas mort. Non, non, non. Ils ont déjà tué tous mes potes et tout. Pas tué Lorenzo. Bon, je vais récupérer le coffre du coup. Il s'est enfui. Il est là. Mais je suis pas du tout enfui. Mais voilà, voilà, espèce d'enfoiré. Alors, ramasse un peu, je sais pas, 5 florins. C'est comme dans Skyrim ou Oblivion, hein. C'est très peu de florins, mais on ramasse pas mal. Salut, je suis sûr de la brèche. Ah, voilà. Merde, c'est peut-être lui. Oh merde. Ah, j'arrive pas à faire mes pas de côté. Voilà. Putain. Bah, j'ai essayé un peu sur le GMD parce que c'est avec ses ronds d'avance, sinon. Mais... Pas dans ce moins quoi. Il y a la tour Montparnasse sur énergie 12. Ah. Ce soir, d'accord. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, c'est avec un pote, on a dit, parce que j'adore ce film. Enfin, tous les deux, on adore ce film. Et on se fait des répliques et on pense l'un à l'autre. Évidemment, à chaque fois. Mais. C'est super! Ah non, me dis pas maintenant, faut que je passe au-dessus, quoi. Je comprends pas. Mon doigt ne comprend pas. Le passage chiant. On est là. Je sais pas comment on est là. Je vais regarder. On est passé par où? Par là. C'est une autre porte ouverte. Non, puis c'est. Ok.
va remonter, voir s'il y a un autre accès. Parce que... Enfin, c'est par au-dessus. Oui, bah vas-y, Ezio. Au lieu de monter les marches, monte les murs. C'est plus sympa. Ah, mais non, mais c'est par là. Très bien. Ah là là, mais... Oui, bon, ça va. On arrête de se moquer. Hein, merci. Ouais, tu le connais, ouais. C'est celui qui a tué un peu toute la ville. Voilà. Ah, enfoiré, malandra, c'est fini. Deux. Bon. On va revenir aux valeurs sûres, hein. Parce qu'il y a des moments quand même, bon. 5 plus 1. C'est marrant parce que des fois il y a des paysans qui gagnent plus que ça. Les paysans avaient plus de sous que vous, les gars. C'est de l'autre côté, c'est pas grave. Il y a rien ici, merde. Ah, j'ai déjà rencontré. Mais hé, mais on se connaît. On se serait pas déjà rencontré. Tourne, bordel. J'attendais un peu, l'ami. J'en aurais pas pour longtemps. Hé, hey, vous avez une minute? Ah d'accord, vous êtes passé par au-dessus, les gars. Là-bas, ouais. Ne le laissez pas s'enfuir. C'est très bien, je... Tu vas finir par ça. Le voilà, vite. Bon, et on va se le faire, lui. Ok, bon. Regrimpons. En fait, moi, je peux grimper comme ça, mais directement, mais non. Ah oui, j'ai des grosses difficultés pour monter en ce moment, on est d'accord. Merci. J'arrive jamais à descendre. Ouais, mais non, là. Oui, la vache, la misère. Je sais pas si j'ai utilisé la bonne technique, mais au moins j'y suis arrivé. Il est là. Attrape. Par là. Ah voilà. Lorenzo, Paul Cavaca, trouvez un moyen d'entrer là-dedans. Vous avez entendu? Vous deux, allez chercher une échelle. Ok. Voilà. Tu vas mourir. Oh putain, j'ai eu les deux gros. Alors ça, je suis très content parce que les gros, ils sont casse-couilles, mais violents. Vas-y, viens. Alors, tu attends. Oh. Bon, allez. C'est le petit qui va me casser les couilles.
Bon, voilà. Bon, par contre, niveau cœur, on est lèche. Donc, c'est vers la gauche, je crois, pour monter. Ah, c'est ça. Bon, je me suis remis full life. Celui-là, je me sentais pas trop. Ah, il demandait une échelle. Bon. Forcément, on est Zio Auditore. Les échelles. C'est pas pour nous. Comment? Alors je sais pas pourquoi je suis arrivé là. Je vais à des endroits mais improbables, hein, si on est d'accord. Bon bah alors, descendre. Hein. Ok, je regarde quand même si c'est un petit cadeau pour moi, mais non, pas du tout. Tu nous fais quoi là, cher ami Zio? D'où l'échelle, hein? Donc là, ah là. Comment ne pas utiliser tous les moyens conventionnels? D'accord. J'étais pas mal au final, sauf que là, c'était pas ouvert, quoi. Où j'étais passé? Ah bah par là. Mais oui. Mais oui. Non, mais non. Ah oui, bon, dans une vraie vie. Bon, déjà on le ferait pas, c'est normal. Non mais un truc comme ça, ou un peu dans cette situation là. Où c'était quand même pas à côté. Non. Bon, d'un côté, il faut y être dans cette situation-là, on est d'accord. Alors, je regarde toujours derrière moi s'il n'y a pas un petit coffre en cadeau, quelque chose. Ah. Arrière! Baissez votre épée, c'est moi! Ezio Auditore, tu viens encore me sauver. D'abord, ils souillent mon église, et maintenant ils sortent chez moi. Ils ne s'en prendront plus jamais à vous. Regarde autour de toi, nous sommes dans une des salles du trésor. Je t'autorise à prendre ce que tu veux pour te remercier de ce que tu as fait. Oh bah, dis-moi, mes appartements sont-ils sûrs? Ah bah non. Oui, signore. Ah bon? Votre générosité me va droit au cœur. Je dois partir, mais je reviendrai vous voir quand tous les Pazzi seront morts. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Bonne chance. Merci. 250, donc en fait, ça va être plus qu'une florin, je suppose. C'est ça. Donc là, on est aux 3000 quand même. Les florins montent pas mal. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Le secret des temples. Le trésor des Templiers. Là. Je vais prendre un petit paquet. Là. Idiot. Ah merci. Plus 3000 florins. Bah merci. Écoute, ça fait deux fois que je te sauve la vie. Lorenzo a été sauvé. Putain, blindé quoi. En bas. Ah, ça fait quand même un peu de sous en plus, c'est assez bonheur. Ah, et puis on... Oh la vache, je suis blindé là. Ça fait plaisir. Je suis blindé entre guillemets. On va aller ici. On retourne à la Villa Montalegioni. C'est bon, la quête elle est où? Elle est là, elle est dehors, elle est à l'extérieur.
Faut aller en Toscane. Ah d'accord, alors je crois qu'il y a plusieurs trucs tout ça qui arrivent. Je crois qu'il y avait les 20 000, sous les 20 minutes qui arrivaient, les 3 000 en plus. Ce n'est pas dangereux. Ils sont pas arrivés. Allez, allons en Toscane. Allons voir, donc chez nous, tout simplement. Bon bah au final, tiens, je vais acheter un remède. Venez mes amis, j'ai des sangsues de toutes. Article d'apothicaire. Hey, ben voilà, on est plein, d'accord. Et on est plein. Et on est au max. À bientôt peut-être. Bon, merci. La perfection n'a pas de prix. Garde. En fait, si, elle en a un. Oh. Qu'est-ce qu'il prend? Alors, ah, c'est pas du tout ça que je voulais voir en fait. C'est armure. Donc, il descend à 5000. Et je gagne plus de santé, plus de résistance. Non. Je vous trouve un peu trop rustre pour mes produits raffinés. N'approchez pas, assassin. Alors, j'ai failli l'assassiner. Tout à l'heure, j'ai fait exactement ça, sauf que j'ai assassiné deux passants. Alors, il est passé entre deux passants, Charlie, j'ai dit bah, deux passants. Bon, du coup, voilà. Allons à la Villa Montaleggione, voir. Hop, ok, c'est pas là. Donc on a 6000. La ville commence à être un petit peu plus fructueuse. Déjà, il y a tout le monde. On a fini de tout construire. Donc il y a des femmes de joie, il y a des mercenaires, des gardes, des voleurs. Ah, collection plus 3000. Ah, bah oui, non, mais oui, évidemment. La 10K, yeah. Tu veux consulter le livre? Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Alors, les tarifs. Marchand, donc là, on a 10K. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 10K? Rien. Si, on peut faire le médecin complet. On peut finir le tailleur. Bon, on se fait le tailleur complet. Voilà, un tailleur. Rénové. Bien sûr, rénovant. Par contre, ça m'embête, là, celui-là. Hop, là, dégage. Merci, tu seras mignon. Et le tailleur, 5000, nous à 6007, c'est parfait. Il nous reste combien? 1007. Donc là, on a fait. On va en partant du bas au final. On a fait. Donc il nous manque combien? Il nous manque 8. 27. 27. 32. 41. 49. 54 000. On n'est pas dans la merde. Bon, 54 000, ça va aller plus vite maintenant. Ça va aller plus vite, plus vite. Retour. Bon voyage! Merci. 54 000. Oh la vache. Je voudrais interagir. Salut, Claudia. Salut. Tu veux consulter le livre? Non, oui, je veux consulter le livre. 4006, ça fait 54 000. Ça fait 9 x 6, ça fait 12. 12 x 20, divisé par 3, ça fait 4 heures. Voilà, environ. Ouais, je fais les calculs. Dans ma tête, c'est logique. Hein. Mais vous inquiétez pas. Ça fait 4 heures à peu près de gameplay. Oui, parce que c'est 6 x 9, 54, il nous faut 54 000. Sauf que 9, ça fait 6. Donc il nous faut 6 fois pour 9 000. Donc 9 000, c'est 4 500 x 2. On a à peu près 4 500. Donc il faut doubler le 6, donc ça fait 12. Et il y a par 20 minutes, donc 12 divisé par 3, ça nous fait 4 heures. Voilà, c'est ça. C'était logique. Donc voilà, on est pas mal. Les rénovations, on est full. Là, on a toutes les échoppes d'ouvert. Ah, on a plus 5K, c'est pas mal. Connexion, on a
Bon, bah, on n'a pas beaucoup de trucs au final. Équipement, là, on est très léger. Donc là, la ville est en train de se construire correctement. Tout est ouvert. Reste plus qu'à. Allez, bon, bah maintenant, allons à la suite. Combien de temps il nous reste, tiens, d'ailleurs, au passage. Hop, dégage-toi, cherche ce message. Il nous reste combien de temps? 0 seconde. Sérieux. Ah, putain. Eh, le mec a un chrono dans la tête. Ouais, non, c'est bon, il nous reste combien de temps? 2 secondes. On va s'arrêter là, moi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour donner vos épisodes. 13, 14, 15, donc l'épisode 16 et 17. Allez, ciao tout le monde. Pousse.